Sophie, mais comment t'es rentrée? La porte était ouverte. Tu vas bien? Ça va très très bien, merci. Ouais. T'es en plein chantier là? Ça n'arrête pas. Ouais. Ça n'arrête pas. Donc là, nous sommes dans une pulperia chez toi. Qu'est-ce que c'est exactement une pulperia? En fait, les pulperias, c'était assez dingue. Quand il y avait un village qui se fondait en Argentine, ils faisaient tout de suite, bien sûr, l'église, le commissariat et la pulperia. Et la pulperia, c'était un bar épicerie où les gens vont venir se rencontrer. C'est vraiment un lieu de fête. Ouais. Mais l'idée ici aussi, c'est qu'on sente comme à la campagne. Bon, on a les poules, on a les lapins. Enfin, on est dans une ville de 11 millions, 12 millions d'habitants. Et en fait, on est à la campagne. Tu as créé ce lieu avec ta compagne, Tatiana, c'est ça? Effectivement, on a commencé ce projet à deux. Tu me la présentes, elle est là? Et oui, ouais. Bien sûr. Tatiana! Sophie, enchantée. Tatiana. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Tu es partie aussi, toi aussi, dans l'aventure. Qui a eu l'idée en premier, de vous deux? C'est Tatiana? Non, c'est une idée qu'on a eue ensemble. Donc l'idée, c'était de commencer à vendre des fromages, des saucissons et des petits vins de petits producteurs. Et on est tombé sur cet endroit où il y avait un panneau à la vente. On cherchait dans le quartier. Et on est tombé sous le charme de la maison. Et le projet s'est multiplié par 10 en visitant la maison. On a eu plein d'idées et on a voulu le faire ici, quoi. Parce que c'était une maison qui était à vendre pour faire une tour. Ah oui, elle allait être détruite cette maison. Mais vous l'avez sauvée donc? Oui, c'est incroyable de se dire, hop, on arrive, nous, hop, et finalement on sauve une partie quand même du patrimoine argentin. C'est ici que tu vas les accueillir au départ, les visiteurs? Les gens vont rentrer par la porte qui est à droite. Donc là, il faut imaginer la rampe pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Et donc là c'est l'entrée principale de la pulperia. Non mais c'est incroyable tout ce que vous avez réussi à glaner. On a l'impression que ça a toujours été ici. Vous avez chiné tous ces objets? Ça a été un travail de fourmi. Et ce piano alors là-bas, quelle est son histoire? C'est pas un piano. Comment ça c'est pas un piano? Et c'est un... Un piano là. Et donc c'est un piano qui marche avec des rouleaux. Donc au-dessus là on a une collection fantastique. On a des foxtrot, des ragtime, des tangos. Et en attendant que tout le schmilblick fonctionne, on a Gustavo qui est le pianiste de la pulperia. Ah, bah, il pourrait peut-être me faire entendre le son du piano alors. Enfin du piano qui n'en est pas un, mais... S'il a envie de jouer, je vais le chercher. Gustavo, tu veux bien nous jouer quelque chose? Bravo. Tu joues ce que tu veux. On a de la chance parce que c'est le monde de la pause. Sympa. Alors, il était avec une scie sauteuse tout à l'heure et maintenant il est au piano. Ouais, non. Bon, ciao, ciao, Tatiana. T'oublies rien. Salut. Bon. Non, je me suis mis, comme tu le vois, en tenue de ville. Tu es beau. Pour te faire découvrir Saint-Elmo. Très bien. Merci pour tout, Tatiana. Salut, au revoir. À bientôt. Bon. Ciao. Ciao, ciao. Génial, il est ouvert.
Tad, tu vois, il est génial ce coiffeur. C'est un peu le thermomètre du quartier. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'il me tient au courant un peu de tout ce qui se passe. De tous les potins? On va lui dire bonjour. Voilà, bonjour, je te présente une amie française. Ah, Sophie, enchantée. Bonjour, comment ça va? Tu peux me faire une petite coupe? Bien sûr. On est là pour ça. Ciao. Ah, et toi, tu voudrais faire un petit truc ou non? Bah, parce que sa femme, elle fait des manucures, même splendides. Eh ben, je fais une manucure, alors, en t'attendant. Je peux faire une manucure? Super, merci. Là, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment... On est chez nous, quoi. On est comme chez un petit coiffeur de... C'est très intime, hein. Hop, hein. Gracias. Alors, est-ce que vous avez hâte que la pulperia ouvre en face? Ah oui, s'il te plaît. Ça fait déjà un moment qu'on attend. Ça fait combien de temps que vous êtes installé, vous, dans le quartier de San Telmo? Je suis né dans ce quartier. Et ça fait 23 ans qu'on a le salon. C'est le plus vieux quartier du pays. Autrefois, c'était plus résidentiel. Beaucoup de gens célèbres habitaient ici. J'ai assisté à un match de foot ici à Buenos Aires en arrivant avec l'équipe de San Lorenzo. Ils ont gagné en plus. Vous supportez quelle équipe? Moi, je suis supporter du club de San Telmo. C'est l'équipe ennemie numéro 1 de l'équipe du Pape. Ah, pardon. Oula. Pour que tu comprennes bien. C'est un peu comme si j'étais l'antéchrist. Tatiana, pas de se connaître. On n'est pas beau comme ça? Regarde. Voilà, ciao, ciao. Hasta luego. Saludos. Désolé pour le dérangement, mais je voulais vraiment lui montrer ce lieu typique du quartier. Super, à plus tard. Tu vas voir, c'est un original fantastique. L'ami que tu veux me présenter? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il peint. Il peint? Sofía, comment andas? Realmente le... Bonjour. Bonjour. Llegamos un poquito tarde. Ah, c'est magnifique. Déjà, rien que ce qu'il y a dans l'escalier, c'est superbe. Oh là! Oh, bonjour! Quel accueil! De bise, comme en France. Comment ça? Tout bien. Ça va, on vous dérange pas trop? C'est un dragon et un oiseau qui jouent ensemble. C'est le yin et le yang. Là, ce n'est qu'une ébauche. Après cette étape, on met des couleurs. Alors Martignano, je trouve que votre maison, atelier, je ne sais pas comment dire, est absolument magnifique. Je vois certaines de vos œuvres. Vous faites ce qu'on appelle le fileteado, c'est ça? C'est quoi exactement? En fait, c'est un art populaire qui est né à Buenos Aires au début du XXe siècle. En Argentine, on a commencé à peindre sur des voitures qu'on trouvait dans la rue. Aujourd'hui, on peint sur de la toile, sur du bois, sur tous les éléments que tu peux trouver et imaginer. Au Louvre, j'avais vu les sarcophages des Égyptiens. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire mon propre cercueil. Mais dans mon style. On peut le voir? Oui, il est là-bas, derrière. C'est pas vrai. Il est là? Ah oui, il est là. C'est le vôtre, celui-là? Cela dit, il est très beau. Hein. Et celui de votre femme, qui est très beau aussi. Bon, vous vous en servirez le plus tard possible, hein. Oui, 2046, vous avez un petit peu de marge encore. Voilà.
Est-ce que ça porte malheur si on l'ouvre pour regarder dedans ou pas? Non, tu peux. Mais il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Tu es sûr qu'il y a personne? Le courageux, il est courageux le petit, hein. Faites voir. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Merci beaucoup pour ton hospitalité. Ah oui, vraiment, merci beaucoup, hein. Je suis ravie de vous rencontrer, hein, vraiment. Vous êtes vraiment un maître en fileté à dos, une référence, non? Merci beaucoup. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans. Je n'ai jamais eu d'autre travail. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, enfin jeune, et que vous avez commencé à faire vos premiers filetés à dos, vous aviez l'ambition de devenir un grand artiste? Non, je n'y pensais pas. Ce que je cherchais, c'était de ressentir. Je ne me souciais jamais de ce que j'allais faire le lendemain. Je faisais. J'ai alors trouvé une forme d'harmonie qui me rend tout le temps heureux. Je suis très heureuse pour vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, dans votre atelier et dans votre maison. C'était un plaisir de vous rencontrer. On s'échappe un peu, Grégoire. On quitte le centre-ville de Buenos Aires. Tu m'emmènes où? On va aller voir Claudio, Juan et Claudio, qui vont nous préparer, je crois que je les ai appelés, ils vont nous préparer un petit asado. Chouette. Et on va surtout déguster leur vin, parce qu'ils font du vin dans la ville de Buenos Aires. C'est très bien. C'est la maison qui est juste là? Ah, exactement. Tu vois, ils sont totalement géniaux. Et c'est le seul vin fait vraiment à Buenos Aires. Ça vous plaît. Youhou! Claudio! Hola! On vient de la Pulperia avec des cadeaux. Sophie, une jolie Française, m'accompagne. Bienvenue. Vous avez trouvé sans problème? C'est elle qui conduisait, mais on est quand même arrivé. N'écoutez pas, n'écoutez pas. Hola, Sophie. Comment vas-tu? Très bien. Hola, Sophia. Bonjour. Hola, Sophie. Claudio. Alors, Claudio, Juan Claudio. Et Claudio. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Alors, vous avez des petits cadeaux? Ou pas? Petit cadeau de la Pulperia. Intéressante. C'est une confiture de tomates vertes. Excellente. Alors là, on est dans les faubourgs de Buenos Aires, mais où sont vos vignes? Le raisin qu'on utilise n'est pas de Buenos Aires, même pas de la région. Il vient d'une région vinicole très importante en Argentine, qui est la région de Mendoza. Mais je vois que l'embouteillage, vous le faites là, c'est ça? Vous pouvez me montrer? Oui. Oui. Aujourd'hui, on met le vin en bouteille. C'est un Cabernet Sauvignon. C'est un vin qu'on produit uniquement pour l'Argentine. Nous sommes classés dans la catégorie vin artisanal, vin maison. On a le droit de produire un maximum de 4000 litres de vin par an. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, tous les trois. C'est avant tout une histoire de copains entre vous? Exactement. Tout à fait. Ça fait 15 ans qu'on a commencé à faire notre propre vin. On n'est pas des amis, on est plus que ça. Toutes les semaines, ça nous donne une bonne raison de nous retrouver et d'allumer un feu et de faire un barbecue. Ça sonne bien. Mais d'ailleurs, on dirait pas qu'on est à Buenos Aires dans le centre-ville. Exactement. C'est incroyable. Enfin, on n'est plus tout à fait dans le centre-ville, mais c'est vrai qu'on oublie qu'on est à Buenos Aires. Tu as raison. Excellente. Mira que pinta tiene. Écoute, merci de me présenter tes amis, hein, parce qu'ils savent recevoir ici. Hein. C'est ça l'art de bien vivre à la sauce argentine? C'est une partie très importante. Les amis, le vin et le barbecue. Le bonheur. Il n'y a que ça de vrai.